Bonjour et bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, je vais tenter ma première recette avec le Thermomix. Je vais faire cuire des saucisses à la vapeur. On devrait y arriver. Donc, je l'ai mis en route en appuyant sur le gros bouton, le seul et unique bouton. Et là, on appuie sur maison. Voilà. Donc, j'ai lu que pour faire cuire à la vapeur, il fallait 250 g d'eau par quart d'heure de cuisson, minimum. Donc, je vais aller sur la balance, ajouter et peser un ingrédient. Et je vais mettre 500 g d'eau pour être large. Alors, est-ce que c'est comme ça? Ah ouais, c'est comme ça. Allez, hop. Donc là, c'est pas du précis, mais c'est pas grave. Allez, sensible, hein? Ok. Alors, je veux une cuisson qui durera 15 minutes. Donc, je me mets sur le temps. Je mets 15 minutes. Ici, je veux la fonction Varoma. Et je réglerai la vitesse après. Parce que sinon, il va démarrer. Je mets mes saucisses dans le cuiseur vapeur, le Varoma, sans le plateau, c'est peut-être pas la peine. Elles sont grandes, mes saucisses. Toc. Je vais positionner mon Varoma sur le Thermomix. Et donc là, j'ai dit vitesse 1. Je mets le couvercle quand même. Hein. Et c'est parti. Pourquoi j'ai plus que 10 minutes? Je vais augmenter un peu le temps. Bon, c'est la première fois. Hein. Voilà. Ah, c'est des secondes. Ah, ça marche moins bien. Voilà. C'est mieux. Bravo, Speed Cooking. Madame fait des vidéos sur YouTube et elle se trompe. Mais pas trompée. Tu n'as pas fait attention. C'est parti. Alors, Speed Cooking, on est de retour? Oui, plus que 6 secondes avant la fin de la cuisson. Ça fait pas autant de bruit qu'on dit, parce que certaines critiques disent que ça fait du bruit. Tout à l'heure, je te mixerai du sucre, tu vas voir. Ok, mixe-moi du sucre tout à l'heure, c'est Speed Cooking. Donc voilà la douce musique du Thermomix quand il a fini de cuire. Alors, pour l'arrêter... Non. Là. Oui. C'était où alors? Sur l'écran tactile. Donc je vais prendre le couvercle du cuit vapeur. Attention, pas se brûler. Voilà. Hop. Je vais descendre le panier. Hop, voilà, mes saucisses sont cuites. Et après, parce que là, tu fais ça dans un Thermomix, pourquoi pas le faire dans une casserole de l'eau, tu fais chauffer... Parce que j'ai le Thermomix et je m'en sers, et c'est très simple à nettoyer. Voilà, c'était ça ma question. C'est aussi simple à nettoyer qu'une casserole d'eau? Une casserole d'eau, en plus ça n'aurait pas tenu dans une casserole d'eau mes grandes saucisses. Exact, ça veut dire qu'il aurait fallu beaucoup beaucoup d'eau, donc d'un point de vue économique même, c'est plus rentable de le faire de cette manière-là. Ouais, je pense, puis en plus faut l'amortir hein, le petit bébé là, parce que... 1139 €. Ça fait cher pour cuire des saucisses, donc... C'est un cuiseur de saucisses qui n'est pas donné. Voilà, saucisses frites à midi. Alors rendez-vous sur Speed Cooking, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air. Et à bientôt.